Nous sommes à l'intérieur de l'église paroissiale de Chalens-Saint-Victor, dédiée justement à Saint-Victor qui est le patron de la paroisse. L'église remonte à la moitié du XIIe siècle. Elle est citée pour la première fois dans une bulle de 1145, une bulle du pape Eugène III, qui prend sous sa protection les chanoines de Saint-Gilles de Verrès, car justement l'église, la paroisse de Saint-Victor appartenait et elle appartient encore à la collégiale de Saint-Gilles de Verrès. À présent, les chanoines de Saint-Gilles n'existent plus, mais ont été incorporés aux chanoines du Latran en 1911. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, la collégiale de Saint-Gilles de Verrès était l'une des institutions ecclésiastiques les plus riches et les plus fameuses de la vallée d'Aoste, mais on pourrait même dire des états de la maison de Savoie. Du point de vue architectural, aujourd'hui, elle se présente comme un mélange de style baroque et de style gothique. La partie, disons, centrale, les trois travées centrales voûtées en ogive, appartiennent à l'église gothique, l'église qui a été consacrée en 1521 par l'évêque d'Aoste, Amédée Berruti. Mais évidemment, la construction de l'église a demandé du temps et l'église a été faite, donc construite pendant la deuxième moitié du XVe siècle. Même elle, si elle a été consacrée en 1521, comme je viens de le dire. Une deuxième phase d'aménagement, de travaux de l'église se situe dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'église a été presque entièrement refaite, on lui a même changé l'orientation, car la vieille église avait l'abside du côté nord, tandis qu'à présent du côté nord on trouve l'entrée. On a même déplacé le grand portail qui se trouvait du côté opposé, on l'a placé du côté nord, un grand portail qui reproduit le portail de la collégiale de Saint-Gilles de Verrès. Ici, toujours à l'intérieur de l'église de Chalens-Saint-Victor, de l'église paroissiale, je me trouve au pied d'un grand tableau où figurent Saint-Gilles et Saint-Germain. Saint-Gilles, justement le patron de la collégiale de Verrès, on le voit figurer à côté d'un animal qui, de prime abord, ressemble à un âne. Tandis qu'il s'agit d'une biche, c'est la biche liée à la légende de Saint-Gilles, car Saint-Gilles était une sorte de ermite qui habitait en Provence, dans la région de la Provence, et cette biche lui apportait de la nourriture. Le roi de l'endroit, pendant une chasse, il a voulu tirer sur la biche, et la flèche, au lieu de frapper la biche, a frappé Saint-Gilles. Justement là, on voit à côté du Saint, cette biche et le saint qui porte dans sa main la flèche qu'il a frappée. À côté de Saint-Gilles apparaît Saint-Germain. Et au pied de Saint-Germain, nous avons une crèche avec un petit enfant dedans. Il ne s'agit pas de l'enfant Jésus, mais d'un enfant anonyme, car Saint-Germain était censé protéger les petits-enfants. Thank you.
Ici, je me trouve à l'intérieur du cœur de notre église paroissiale de Saint-Victor. Le chœur avec la sacristie et l'entrée actuelle sont les trois parties qui ont été ajoutées à l'église lors de la transformation pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Derrière moi, le maître-autel avec le grand tableau avec l'Assomption de la Vierge. Et en haut, les statues, d'un côté la statue de Saint-Gras, avec dans ses mains la tête, comme d'habitude, de Saint-Jean-Baptiste, et de l'autre côté, Saint-Joconde, successeur de Saint-Gras. En haut, nous avons la statue de Saint-Victor, patron justement de la paroisse, donc de l'église. Saint-Victor était un soldat de la Légion thébaine, martyrisé avec son commandant Saint-Maurice, près de Saint-Maurice d'Agone, dans le Valais, à la fin du 3e, début du 4e siècle. Nous le voyons en haut, justement dans une armure, mais qui est une armure tout à fait anachronique. Il s'agit d'une armure Renaissance. Et en bas, le grand tabernacle, le tabernacle qui reproduit une église baroque. Ici, je me trouve à côté des fonts baptismaux qui appartiennent très probablement à l'ancienne église, c'est-à-dire à l'église gothique. Sur les fonts apparaissent les armoiries de la maison de Chaland, car justement Chaland-Saint-Victor a été le berceau de la maison de Chaland. Derrière moi, l'autel peut être le meilleur, le plus beau de toute l'église, c'est l'autel du Saint-Esprit. En haut, nous avons la statue du Christ, puis le Père éternel, le Saint-Esprit sous forme de colombe, et puis le groupe des apôtres autour de la Vierge, et les apôtres en train de recevoir l'Esprit Saint, on le voit sous forme de flamme sur leur tête. Malheureusement, l'ensemble de l'autel a été recouvert à un moment donné par un vernis blanchâtre qui nous a caché les couleurs d'origine. Ici, sur la paroi opposée à celle de l'autel du Saint-Esprit, nous trouvons l'autel du Saint-Rosaire. En haut, le groupe de l'Annonciation et en bas, le grand tableau avec la Vierge à l'enfant et au pied de la Vierge, d'un côté Saint-Dominique, et de l'autre côté, Sainte Catherine de Sienne. Et le grand tableau, la Vierge et les deux saints sont entourés par les 15 mystères du rosaire. Les voûtes et les arcs apparaissent aujourd'hui recouvertes par les fresques
de Giovanni Stornone, peintre d'Ivry qui a travaillé dans notre église au début du XXe siècle. Entre autres, on voit la clé de voûte qui reproduit les armoiries de la maison de Chaland et les trois travées centrales voûtées en ogive gardent encore les arêtes d'origine. C'est la partie la plus ancienne de l'église actuelle. Les trois travées centrales d'origine gothique gardent des fenêtres, elles aussi gothiques. Deux fenêtres gardent encore des traces de vitraux du XVIe siècle. Voici au pied de notre grand tableau, très probablement du XVIIe siècle, un tableau où figure à nouveau Saint-Germain. Justement, on voit à ses pieds un petit enfant, Saint-Germain, et à côté de Saint-Germain, la Sainte Anne et la Vierge Marie enfant, Sainte Anne en train d'apprendre à lire à la Vierge, et de l'autre côté, Saint-Jean-Baptiste, très jeune, qui porte aussi un phylactère avec les mots « Ecce Agnus Dei ». Ici, notre tableau est un peu différent par rapport aux autres, car à côté de trois saints apparaissent des bourgeois, en tout cas des laïcs. Des bourgeois ou peut-être même des nobles, une famille noble ou une famille de la haute bourgeoisie. On a d'un côté le père avec le garçon, de l'autre côté la femme avec la petite fille. Très probablement des nobles ou des bourgeois de Chaland, peut-être même des masus. Et quant aux trois saints, on reconnaît par le petit moineau sur son épaule, on reconnaît Saint-Ours, alors très probablement de l'autre côté Saint-Bernard, et l'évêque au milieu, Saint-Gras ou bien Saint-Joconde. Voici l'hôtel de Saint-Antoine le Grand, en italien Sant'Antonio Abate. De cet hôtel, nous connaissons même l'auteur. Il s'agit du sculpteur du Valsesia Giovanni Gilardi, qui l'a sculpté en l'année 1740. Saint-Antoine le Grand on le reconnaît très facilement d'après le bâton, le livre de la règle, le feu et à ses pieds le porc. Évidemment, le feu se rapporte au feu de Saint-Antoine, cette maladie que nous connaissons aujourd'hui comme l'herpès zoster, et qui était causée, mais au Moyen-Âge on ne le savait pas, qui était causée par l'ergot du seigle. Et justement, on avait recours à Saint-Antoine pour être guéri de cette maladie. L'hôtel que voici était à l'origine l'hôtel d'une chapelle rurale bâtie en 1631 à l'époque de la peste, justement pour remercier le bon Dieu et les saints protecteurs pour avoir survécu à cette terrible peste. Et l'hôtel justement nous présente les saints protecteurs contre la peste. Nous avons Saint Sébastien, Saint Roch et Saint Gras. L'hôtel a été placé ici dans l'église en 1787.
Je parle du haut de la tribune qui accueillait autrefois les chantres. La chantrerie de Chalon-Saint-Victor était plutôt fameuse jusqu'au début des années 80 du siècle dernier. Derrière moi, les orgues qui ont été placés en 1962, ce sont des orgues de la maison Vegezzi e Bossi de Centallo. Elles ont été placées à l'époque où le curé de la paroisse était l'abbé Jean-Baptiste Minuzzo, et accrochées à la balustrade de la tribune, on voit encore un drôle d'instrument, une sorte de mégaphone, de haut-parleur, de porte-voix, si vous voulez. C'est une sorte de tuyau qui ressemble en quelque sorte à un tuyau de poêle ou de potager. Et c'est ce qu'on appelle en patois le tubo, le trombone ou même le faux bourdon. Car on l'utilisait justement quand on chantait le faux bourdon. Ce n'est pas un instrument de musique, c'est, comme je vous disais, une sorte de haut-parleur. On y chantait dedans. Et la voix retentissait d'une façon extraordinaire. Et on l'utilisait surtout quand on n'avait pas des orgues. Et puis justement, il y a eu des changements dans la liturgie, dans le chant liturgique, et le tubo a été abandonné. Il s'apparente en quelque sorte à un instrument semblable qui se trouve en France, qu'on utilisait en France, qu'on appelait le serpent d'église. Nous voici à l'intérieur du petit musée paroissial qui se trouve tout de suite dans l'entrée de notre église de Saint-Victor. Le musée accueille des pièces qui ont été retirées des chapelles, des hameaux et des villages de la paroisse. Et sa pièce maîtresse est représentée par le grand crucifix du début du XIVe siècle. C'est très probablement un crucifix qui avait été offert à l'église par la famille Chalon et qui devait se trouver dans le cœur de notre église. Le crucifix dont je vous parlais était placé à l'extérieur au hameau de 6 ans jusqu'à 1939, quand il a été retiré pour être présenté à l'exposition sur l'art gothique à Turin. Et depuis lors, une fois rentré à Saint-Victor, il a été gardé à l'intérieur de notre église. Il avait été même placé sur le maître-autel à la place du tableau de l'Assomption de la Vierge. Bien évidemment, il y a d'autres pièces très intéressantes. Il y a surtout des vêtements liturgiques et des statues des différents saints, patrons des différentes chapelles de notre paroisse de Saint-Victor. Notre église possède aussi un remarquable clocher. La base du clocher remonte très probablement au XVe siècle, début XVIe, tandis que le tronc est de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle.